Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL de ce vendredi. Au menu de l'info et des invités, nous recevrons aujourd'hui tour à tour Vincent Tacita de Calistat. Nous reviendrons avec lui avec ce sondage paru dans Nouvelle Semaine et qui fait trembler le clan Lurel sur les intentions de vote au premier tour des régionales. Par la suite, nous recevrons Madame Carole Jacobin, responsable du service valorisation des milieux et éco-citoyenneté à la ville de Bémao. Avec elle, nous évoquerons le mois du changement climatique. Et en ce vendredi, nous tournerons une page de culture avec Nicolas Issap, chargé de communication à l'Archipel. Nous parlerons avec lui du festival Tendance qui se déroule donc ces jours-ci. Mais on commence avec l'information et les titres de ce vendredi. Le micro-lycée des Abîmes a été inauguré hier en présence des représentants de la région et du rectorat. Cette structure innovante est la première à s'implanter outre-mer. Objectif, repêcher les élèves qui ont décroché. Accompagner et former les personnes en situation de handicap, c'est la vocation du centre Émergence. Hier, dans ses locaux, se tenait une remise de titre professionnel de secrétaire comptable et d'employé administratif. Nous parlerons mode en fin de journal. La boutique Les Créateurs présente ce soir son défilé annuel au programme des créations de toute la Caraïbe. Une équipe de Canal 10 s'est glissée dans les coulisses de ce show à l'heure des derniers essayages. On commence ce journal avec une brève. Sachez qu'on a appris en fin de matinée qu'un petit avion s'était écrasé à proximité de la rivière Salée dans la mangrove, semblerait-il. Nous avons peu d'informations pour l'instant. Vous voyez cette image. Nos équipes se sont rendues sur place. Nous vous donnerons plus d'informations dans notre édition de 18h30. Je vous le disais dans les titres, le micro-lycée des Abîmes a été inauguré hier en présence de représentants de la région et du rectorat. Cette structure innovante est la première à s'implanter outre-mer. Objectif, repêcher les élèves qui ont décroché. Grande fierté aujourd'hui d'inaugurer le micro-lycée, projet innovant, nouveau en Outre-mer, c'est le premier d'Outre-mer d'ailleurs, et une grande fierté parce qu'effectivement ce micro-lycée va pouvoir former des jeunes qui ont décroché à un moment donné et qui pourront évidemment, avec une pédagogie un peu innovante, voire très innovante, pouvoir repasser le baccalauréat dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, ce qui va se passer dans le cadre du micro-lycée, c'est de la pédagogie un peu différente de ce qui se passe dans les classes. On n'est pas dans une pédagogie frontale, l'enseignant d'un côté et puis les élèves de l'autre. On est vraiment dans du participatif au niveau des élèves. L'enseignant est en permanence avec le jeune, comprend ses difficultés, essaie de l'accompagner, faire du coaching psychologique. On a une infirmière qui est en même temps sophrologue, qui va pouvoir aussi analyser les problématiques liées aux jeunes en construction. Et puis aussi faire un travail aussi sur les raisons de ce décrochage et de voir comment ils peuvent rebondir pour pouvoir mieux appréhender cette nouvelle pédagogie telle qu'elle a apportée aujourd'hui et ce qu'ils ont comme ambition après le baccalauréat. Ça fait quand même 6 ans que j'ai arrêté l'école. Donc facile, je ne dirais pas, puisque avoir arrêté l'école pendant 6 ans, être dans le monde du travail, avoir des fiches de paie, avoir des salaires et retourner à l'école en tant qu'étudiante et ne pas recevoir de rémunération, c'est pas toujours évident. Mais dans la vie, il faut savoir faire un choix. Et moi, j'ai fait le choix du micro-lycée. On va devoir la réussite, quoi. On n'a pas le droit à l'échec, vu comment le contexte du micro-lycée a été construit, je veux dire. Il n'y a pas moyen d'aller à l'échec. C'est la réussite totale. Comme de toute façon dans tout système pédagogique, l'élève est au cœur du système, mais là plus encore, puisqu'on va essayer de tenir compte de lui dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va traiter avec lui de tous les problèmes liés à sa situation de décrocheur ou de décrochage. L'idée étant de le resocialiser, de le rescolariser, de lui donner confiance en lui et de l'appétence pour la chose scolaire. Je félicite les services de la région qui ont vraiment mis les bouchées doubles et qui nous ont permis dans un temps record d'avoir entièrement opérationnel ce micro-lycée comme convenu début novembre 2015. Ce micro-lycée va accueillir 60 élèves. J'ai discuté avec ces élèves avant de l'inauguration de ce micro-lycée. Je les sens vraiment motivés et donc c'est une double satisfaction de voir des jeunes motivés qui ont envie de revenir au lycée, de passer leur baccalauréat et je leur fais confiance.
Voilà, et on accueille tout de suite sur ce plateau Vincent Tacita de Calistat. Bonjour. Bonjour. Alors, on va évoquer ce sondage qui fait un peu trembler, nous le disions, le clan Lurel. En gros, que dit l'enquête? Vous annoncez que Chalus serait en tête de 2 points si le premier tour se déroulait dimanche prochain. Mais avant de commencer notre échange, il faut rappeler donc que les sondages ne font pas l'élection et qu'il s'agit d'une photographie à l'instant T. Merci de le rappeler. De ce qui se passe. Merci de le rappeler. Alors, en gros, que dit donc ce sondage, 2 points d'écart de voix entre Chalus et la liste Lurel? Qu'est-ce que ça veut dire? 2 points d'écart de voix, c'est rien du tout, puisque nous sommes encore à 1 mois d'élection aujourd'hui, et le sondage a été mené à 1 mois et 10 jours de l'élection. La campagne officielle n'a pas encore démarré, et il est bien évident que les éléments de campagne, les événements de campagne, peuvent très bien faire bouger les choses, premièrement. Et deuxièmement, 2 points d'écart, ce n'est rien du tout. On l'a mis d'ailleurs dans notre enquête. On a plutôt parlé de pourcentage d'écart qu'il y a entre les deux candidats et de marge d'erreur qu'il y a pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui, franchement, nul ne sait qui peut remporter le premier tour des élections régionales. Voilà, et tout peut changer. Alors, on rappelle, vous avez interrogé 705 personnes. On a interrogé 705 personnes représentatives de la population guadeloupéenne, donc partout, âgées de 18 ans et plus, bien évidemment, duquel on a extrait les personnes inscrites, qui étaient 565, et on a fait les intentions de vote sur ces personnes-là. Au-delà de la constitution même de l'échantillon, qui est très classique, ça fait 20 ans qu'on le fait maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une grosse part d'indécis parmi les personnes qui se disent, qui envisagent d'aller voter. Il y a déjà 36% d'indécis, ce qui peut encore faire bouger les choses, évidemment, lors du scrutin final le 6 décembre. Alors tout peut changer, on l'a bien compris. Alors ce qu'on retient également, c'est que outre donc, les listes Lurel et Chalus qui font la course en tête, très loin derrière, on trouve Laurent Bernier à 6% et candidats, il y a un fossé là. Il y a un gros fossé, Laurent Bernier qui serait entre 4 et 10%, et les autres candidats qui seraient entre 2 et 5%. Effectivement, il y a un gros fossé, et c'est vrai que la campagne est bipolarisée depuis très très longtemps. Il ne s'agit pas du bleu de Calista. Depuis très longtemps, elle est bipolarisée entre Lurel et puis Chalus. Alors, ce chiffre aussi qui a retenu notre attention, 46% des personnes interrogées qui se disent satisfaites du bilan Lurel, j'ai envie de dire seulement 46%. C'est l'opinion des Guadeloupéens, 46% qui s'en disent satisfaites, 45% qui s'en disent insatisfaites. Deuxième mandat, l'usure, ça fait mal. C'est toujours une lassitude des élections. On avait observé la même chose lors de la seconde mandat de Michel Chevry, la présidente de la région entre 1998 et 2004. Il y a cette lassitude. Et au-delà des réalisations qui ont été faites, c'est factuel, il y a toujours une part de l'opinion qui a envie de renouveau, qui a envie de changement. Alors justement, cette lassitude, entre guillemets, est-ce qu'elle peut venir aussi d'une surmédiatisation du candidat sortant? L'actualité de la région est riche, elle est bien orchestrée, il faut un excellent travail à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on cite beaucoup soit la région Guadeloupe, soit le président de région. Des choses que vous avez possibilité de calculer. On peut le calculer très vite. Il y a des logiciels qui servent à ça et qui servent à constater le nombre d'occurrences d'apparition de quelqu'un, d'une personnalité politique, d'une marque, etc. Et c'est vrai que Victorin Lurel est très représenté dans ce type d'enquête. Donc, actualité riche autour de la Guadeloupe, il y a bientôt le Guadeloupe Festival, et certains Guadeloupéens peuvent trouver effectivement que Victorin Lurel est trop mis en avant par rapport à d'autres personnalités politiques. Alors peut-être la bonne nouvelle pour les électeurs de cette enquête, ce sont les intentions de vote. 86% des inscrits qui pensent qu'ils iront voter. Alors ils disent pas qu'ils iront, mais ils y pensent. Alors on a toujours ces chiffres-là bien avant l'élection. Alors on anticipe effectivement de toute façon une participation plus forte qu'en 2010. On sortait du conflit du LKP à l'époque. Il y avait une vraie lassitude de la population. Là, on anticipe une participation plus forte pour deux raisons. Premièrement, du fait de la bipolarisation entre Lurel et Chalus, du fait des personnalités qui sont relativement clivantes pour l'un comme pour l'autre, y compris ceux qui viennent derrière. Et là, effectivement, on pense qu'il y aura une mobilisation de l'électorat, mais je ne pense pas qu'on aura 86% de participation. On aura sûrement moins, mais en tout cas plus que les 50% et quelques de 2010. Alors parfois on dit que l'électorat est volatile. Qu'est-ce que ça veut dire, et est-ce que c'est le cas en Guadeloupe? Électorat. Alors
En Guadeloupe, l'électorat senior, les personnes âgées de plus de 50 ans, sont relativement conservatrices. Et ça, justement, c'est à l'avantage de Victorin Lurel. Les personnes qui déclarent aller voter pour lui sont sûres de leur choix. C'est-à-dire qu'ils sont fidèles à leur candidat. Celles qui envisagent d'aller voter pour Victorin Lurel sont déjà, un, plus jeunes, donc elles se déplacent moins fréquemment aux urnes, et deuxièmement, sont un peu moins sûres de leur choix. Alors, électorat volatile, effectivement, parce que vous avez une part de population jeune qui peut changer d'opinion, je ne dis pas au gré du vent, mais au gré des événements qui peuvent se dérouler. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de ce sondage qui ne fait pas l'élection, on le rappelle? Au final, on retient qu'on est une bouteille d'encre entre les deux premiers. Il y aura vraisemblablement un second tour qui va opposer ces deux personnalités, mais nul ne peut savoir qui sortira en tête au premier tour. Merci Vincent Tacita pour ces éclairages. C'est moi. Merci beaucoup. On poursuit avec l'actualité. Accompagner et former les personnes en situation de handicap, c'est la vocation du centre Émergence. Hier, dans ses locaux, se tenait une remise de titre professionnel de secrétaire comptable et d'employé administratif. Le reportage est signé Maxime Morel. CRP, c'est le centre de rééducation professionnelle pour travailleurs handicapés. C'est-à-dire que c'est le seul centre qui s'occupe de la formation des travailleurs handicapés dans une prise en charge multidimensionnelle. Je m'explique. C'est-à-dire que non seulement les personnes ont des formations classiques, mais encadrées par l'équipe donc pluridisciplinaire, qui peut être donc des médecins, des psychologues cliniciens, d'assistance sociale. Et donc, si vous voulez, c'est le seul centre qui essaie de prendre en charge dans la globalité une personne qui est en situation de handicap. L'agence de santé, dans ses missions médico-sociales, finance le CRP à hauteur de 700 000 euros. Ça représente à peu près 9 personnes, formateurs, psychologues, assistantes sociales, qui accompagnent donc les travailleurs handicapés dans leur formation. On travaille sur le parcours de la personne handicapée, et dans le parcours de la personne en situation de handicap, il y a l'insertion professionnelle. Et donc le CRP, c'est vraiment par la formation des travailleurs handicapés le moyen de leur permettre d'accéder à un emploi, et c'est effectivement très important. Bon, c'est aussi très important que les entreprises qui ont une obligation d'emploi des travailleurs handicapés puissent réellement employer ces travailleurs qui finalement ont des compétences tout à fait intéressante pour les entreprises. D'ailleurs, il y aura, je crois, prochainement l'organisation de la semaine de l'emploi des travailleurs handicapés. Et nous invitons, bien sûr, comme toutes les institutions qui travaillent autour de la personne en situation de handicap, les entreprises à employer directement des personnes handicapées ou, à défaut, de payer des prestations aux établissements d'aide par le travail, les ESAT, que nous finançons également et qui permettent de répondre également à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Comprenez que lorsqu'on a travaillé un certain temps et que se retrouver sans emploi, donc c'est un peu difficile. Et avoir un tel centre à notre disposition, c'est vraiment un cadeau. Donc c'est la raison pour laquelle je suis fier, très fier même d'avoir été au CRP. Voilà, et quelques mots de météo. Sachez que nous sommes en vigilance jaune pour forte pluie et orage. Prudence donc sur les routes. Une variété de bananes résistantes à toutes les maladies. Un rêve, bientôt peut-être une réalité. C'est ce sur quoi travaillent les chercheurs du CIRAD, le centre de recherche agronomique. L'idée, bien sûr, étant de pouvoir éviter de traiter les plantations avec des pesticides et autres produits chimiques. Le projet s'inscrit dans le plan de la banane durable. Il se dessine en coopération avec d'autres îles de la Caraïbe, à l'instar de Cuba ou encore de la République dominicaine. Explication avec ce sujet signé Céline Rodriguez et Nicolas Hachi. Ce projet, il fait partie d'une stratégie un petit peu globale du CIRAD. Et notre objectif, c'est effectivement de mettre au point une variété zéro, enfin une culture de la banane zéro pesticide, au moyen de variétés résistantes à une maladie en particulier qui est la cercosporiose noire, qui aujourd'hui est contrôlée par l'utilisation de fongicides dans les pays dans lesquels ils sont autorisés ou dans les pays dans lesquels ils ne le sont plus, les pays de l'Union européenne, par des techniques lourdes de contrôle par effeuillage en particulier. L'idée, pour nous, notre cœur de métier, c'est de créer des variétés résistantes naturellement à cette maladie qui permet de s'affranchir de l'utilisation de pesticides. Et donc dans le cadre de ce projet, on a mis en place un certain nombre d'enquêtes de terrain très lourdes à Cuba et en République dominicaine, et puis d'analyse d'échantillons.
Aujourd'hui, les données que l'on a, qui ne sont pas définitives parce qu'il va falloir continuer à travailler, nous permettent de dire que, grosso modo, sur les variétés hybrides qui sont diffusées en République dominicaine et à Cuba, la perte de résistance, elle s'explique à peu près moitié-moitié par une évolution des champignons et par des itinéraires techniques qui ne sont pas appropriés et donc pour lesquels, sur la base de nos travaux, on peut proposer des améliorations. Aujourd'hui, dans le cadre du pomelan durable qui a été mis en place en 2008, l'objectif c'était de créer des nouvelles variétés donc qui sont respectueuses de l'environnement et qui sont tolérantes aux maladies. Donc le premier objectif, c'est tout d'abord de réduire l'utilisation des pesticides. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu deux plateformes qui ont été créées. Donc une plateforme d'innovation variétale donc pour fournir à la filière des variétés qui sont résistantes aux maladies, notamment aux cercosporioses noire et jaune, ainsi qu'à la fusariose. Et puis aussi, d'autre part, une plateforme de système de culture innovant, SDCI, pour réduire l'utilisation des pesticides donc au sein de la filière. Donc c'est une chose qu'on a réussi, puisqu'on a quand même diminué de 70% l'utilisation des pesticides au niveau de la filière banane, BGM. Et d'autre part aussi, de favoriser tout ce qui est agriculture de conservation. Donc réduction de la mécanisation au niveau du sol pour permettre à la nature, notamment au niveau de la fertilité du sol, de retrouver son équilibre et aussi de pouvoir permettre à la faune du sol de retrouver sa place et d'être en équilibre. Et nous poursuivons avec ce sujet banane et notre magazine de la semaine signé Maurice Cessé. Nous partons pour le nord de la France, Dunkerque plus exactement. L'UGPBAN, l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, y a organisé un voyage de presse. C'est là que sont déchargés les conteneurs en provenance des Antilles. On se penche aujourd'hui sur une question marketing avec le développement de la marque banane française. Le reportage est signé de notre correspondant Maurice Cessé. Voilà, en effet, on est parti du constat que nous avons absolument besoin de revaloriser ce produit. Nous souhaitons effectivement apporter de l'innovation, du service, tant pour nos clients en distribution que pour les consommateurs. Du coup, comme vous avez pu le constater, nous sommes partis sur une banane qui est maintenant très bien identifiée avec un ruban bleu-blanc-rouge, lequel ruban est équipé lui-même d'un code-barre, ce qui permet aux consommateurs d'éviter d'aller en peser. En même temps, ce ruban qui nous met sur des bouquets de 3, 4, 5, 6 fruits fait également qu'on a une vraie rupture sur la casse, sur le rayon, puisque maintenant le consommateur qui avant avait l'habitude de toucher un peu toutes les bananes, de les casser, etc., ce qui crée quand même beaucoup de désordre sur le rayon, nous avons maintenant un rayon propre, clair, visible. Vous avez vu, la banane est posée sur des alvéoles, ce qui rend effectivement le rayon, je trouve personnellement, très très agréable pour la consommation. Pas une question de peser, mais non, pour 3 bananes, 4 bananes, Voilà, donc le consommateur qui a besoin de 3 fruits, ou de 4, de 5 ou de 6 fruits, avant il allait à sa pesée et il avait besoin donc de faire son rapport. Là maintenant, il est directement en caisse. Le code barre permet de payer sans avoir effectivement à perdre un peu de temps sur les balances. Alors ici, nous sommes dans une structure complètement moderne. Hein. Nous avons vu l'étiquetage justement de ces 3, 4, 6 bananes. C'est formidable. Oui, bah écoutez, en effet, on est passé par un stade très industriel maintenant du produit, hein, l'outil industriel de Dunkerque qui permet effectivement d'enrubaner nos bouquets de 3, 4, 5, 6 fruits qui ensuite vont passer dans le réseau Fruits d'Or pour être mûris et ensuite distribués dans nos différents points de vente qui sont aujourd'hui en phase de déploiement et qui, je crois, nous laissent augurer d'une belle vente pour ce produit. La mise en place de ce mode de commercialisation, c'est immédiat? Alors, écoutez, effectivement, je crois qu'il faut commencer, il faut éduquer un peu le consommateur hein, qui est pendant des années avait l'habitude d'acheter la banane au kilo. Aujourd'hui, petit à petit, il sait qu'il achète un produit à la pièce avec tous les services qui sont autour. Mais on a bon espoir, effectivement, d'installer ce produit dans le paysage de la distribution française. Et avec mon côté visibilité aussi, cette formule permettra de voir 4-6 bananes françaises. Absolument, absolument. Le rayon, donc, je crois qu'on ne peut pas passer à côté aujourd'hui de savoir qu'on achète avec cette banane, on achète un produit français.
Voilà, et on tourne une page environnement. On reçoit à présent Carole Jacobin du service valorisation des milieux et éco-citoyenneté à la ville de Baie-Mahault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous venez nous parler d'un événement au long cours que vous déclinez durant ce mois presque à la ville de Baie-Mahault. Oui, effectivement. Donc, il s'agit donc du mois du réchauffement climatique, donc qui a commencé depuis le 23 octobre, qui va finir donc le 21 novembre. C'est la première édition de ce mois ? Alors, c'est la première édition parce que, en fait, chaque année, donc Baie-Mahault met à l'honneur une thématique. Donc, par exemple, il y a 2 ans, c'était les pollutions lumineuses. L'année dernière, c'était le mois de la biodiversité. Et donc, cette année, comme il y a justement la COP21 qui a lieu à Paris, qui s'appelle donc Paris Climat 2015, bientôt... La grande conférence internationale dédiée au climat. Exactement. Donc, en amont de la COP21, donc on a décidé d'organiser donc un mois du réchauffement climatique pour pouvoir sensibiliser un petit peu le tout public à cette thématique qui est très importante. Alors justement, est-ce que les Baie-Mahautiens, mais plus largement toute la population, est sensible à ce genre de thème ? Est-ce que ça les incite à venir un petit peu aux manifestations ? Est-ce qu'ils se sentent concernés ? Ou est-ce que c'est difficile encore de faire passer ces idées autour du climat ? Alors c'est vrai que tout ce qui concerne l'environnement, on a encore un gros effort à faire, un gros travail à faire pour pouvoir sensibiliser la population. C'est vrai qu'à la ville de Baie-Mahault, on met un accent particulier sur les plus jeunes, même si on sensibilise aussi le tout public, mais on essaie en tout cas de commencer par les jeunes pousses pour qu'en grandissant, ils s'investissent de ces questions. Et justement, les enfants, ça leur, c'est des thèmes qui les intéressent. Comment vous parvenez à travers les activités, peut-être, à les intéresser à ces questions ? Oui, de plusieurs manières. Alors, sur, en tout cas, sur ce mois du réchauffement climatique, on propose aux élèves de CM2 donc, une présentation sur le réchauffement climatique, ce que c'est. Et comment est-ce qu'on peut justement essayer d'enrayer l'augmentation des températures à plus de degrés, hein. C'est un peu l'objectif de la COP21, de limiter l'augmentation à 2 degrés. Tout à fait. Va-t-on y arriver ? C'est la question. Après, on ne sait pas. Et effectivement, donc ça, ce sont les CM2. Sinon, on sensibilise aussi les plus jeunes, puisque le samedi, le week-end, le samedi après-midi, on diffuse des films d'animation à la bibliothèque multimédia Paul Mado. Donc, c'est des petits dessins animés, mais qui traitent aussi du réchauffement climatique. Et sinon, on cible aussi les collégiens et les lycéens avec une diffusion d'un film qui va se faire au cinéma Rex qui s'appelle La glace et le ciel, qui a été diffusé en clôture du Festival de Cannes 2015. Et alors justement, est-ce que ce week-end, il y a la semaine qui arrive, des événements à retenir tout spécialement auxquels on pourrait se rendre ? Alors déjà, ce soir, on a un débat, ce qu'on appelle le débat esprit critique sur le réchauffement climatique. Alors là, ça se passe à la bibliothèque ? Tout à fait. Alors avec des experts que vous réunissez autour de la table ? Tout à fait, avec des experts donc, qui vont faire des présentations. Et puis après, effectivement, chacun pourra intervenir, puisque c'est l'objectif. Donc on va débattre. Même ceux qui n'y croient pas, parce qu'il y a aussi des gens, il y a des climato-sceptiques, des gens qui ne croient pas. Exactement, même des météorologues absolument. Qui se font évincer de tout certaines à fait, tout à fait. Et donc, ça sera le moment de discuter, de débattre. Donc voilà. Donc sinon, pendant le week-end aussi, on va diffuser aussi des documentaires pour les adultes et un film d'animation pour les enfants. Donc ça, c'est samedi. Toujours à la bibliothèque. Et ça se poursuit, vous le disiez, jusqu'au 21. Donc le week-end prochain, ça sera aussi la même chose. Et le week-end d'après, le vendredi soir, les documentaires. Le samedi soir, les dessins animés. Et toute la semaine prochaine, par contre, on reçoit les scolaires, les collèges et lycées de Baie-Mahault au Rex pour la diffusion du film La glace et le ciel. Alors, on reste informé sur le site de la ville, j'imagine ? Exactement. La page Facebook ? La page Facebook. Pour tout savoir. Pour tout savoir. Voilà. Tout est dit sur le sujet. Vous vouliez rajouter quelque chose ou... Non, que les gens viennent nombreux parce que c'est une thématique qui est importante. On est tous concernés. Oui, on est tous concernés et à très court terme. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Il est bientôt 13h. On prend une courte page de publicité. On se retrouve tout à l'heure pour l'information qui continue. Et Monsieur Issap de l'Archipel qui viendra nous parler danse sur ce plateau. À tout de suite.
Voilà, 13h04 dans le ZCL. Et comme souvent le vendredi, on tourne une page culture avant le week-end. On reçoit Nicolas Issap, il est chargé de communication à l'Archipel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu de Basse-Terre pour venir nous voir. Vous êtes... Sous la pluie. Oui, d'autant plus sous la pluie. Vous êtes là pour nous parler du festival Tendance qui, oui. Donc, qui se décline ces jours à l'Archipel. Voilà, c'est-à-dire que le festival, c'est un mini-festival de danse qui se prénomme Tendance. Et donc, on a 4 spectacles qu'on propose de danse contemporaine. Donc, on a des spectacles, c'est de la danse contemporaine, mais avec beaucoup d'influences, hip-hop, jazz, classique. Donc, c'est un peu un mélange, un peu. Et donc, c'est très intéressant. J'ai vu les répétitions du spectacle qu'on a demain et ça s'annonce très bien. Alors, demain samedi, donc on parlait de corps à corps tout à l'heure, la compagnie Bila Koro, c'est ça? Oui, Bila Koro. En fait, la chorégraphe, c'est Soa Le Clèche. Qui a chorégraphié le spectacle encore, mais ce n'est pas elle qui danse. Il y a 2 interprètes, Fabien Edmond et attendez, je retrouve Hélène le nom. Varnier. Et Hélène Varnier, voilà. Alors c'est un homme, une femme, mais donc ça va au-delà du corps à corps physique. En fait, on s'interroge dans cette pièce contemporaine sur les liens de relation à l'autre. Oui. C'est la danse qui fait réfléchir aussi. Ouais, c'est un peu le principe, si on veut, de la danse contemporaine, c'est d'avoir une danse avec un thème et qui peut faire réfléchir, qui peut questionner, le spectateur peut se questionner sur le sujet qui est abordé, comme là c'est le sujet, c'est le corps, c'est le lien, c'est le rapprochement des corps, l'éloignement des corps, c'est vraiment la relation à l'autre et avec c'est un beau spectacle en fait, c'est un très beau spectacle. Vous avez vu quelques moments de répétition, donc oui. J'imagine il y a des moments très peut-être plus poétiques, plus dans la durée, et d'autres ont parlé de hip-hop, de breakdance, ça à des moments ça envoie un petit peu plus comme oui il y a des projetés où ils sautent, où ils font ce qu'on appelle du hip-hop debout. Et c'est des techniques modernes, en fait, et des techniques de hip-hop. Alors, justement, donc c'est demain à l'Archipel, oui. Demain samedi. Et le festival, ça se poursuit aussi avec des rencontres avec les enfants, j'imagine, les scolaires qui participent aussi. Oui, à 14h, il y a la scolaire, justement, de ce spectacle encore. Et demain, là, tout public, à 20h. À l'Archipel. Et s'il fait encore mauvais temps, c'est une bonne occasion d'aller donc à l'Archipel demain. Quoi de neuf du côté de l'Archipel? Toujours l'intérim à la tête de la scène nationale? Oui, toujours l'intérim à la tête, toujours l'intérim. Là, selon ce qu'on m'a dit, on a déjà tous les dossiers. Donc maintenant, c'est à eux d'étudier. C'est le conseil d'administration qui va étudier le dossier et voir quelles personnes qu'ils vont retenir. Alors, puisqu'on a un petit peu de temps, on peut parler des rendez-vous qui nous attendent à l'Archipel durant ce mois de novembre, peut-être? Oui, le Tendance. Il nous reste le premier spectacle demain soir à l'Archipel encore. Le samedi d'après, le 14 novembre, on a Tu ne dis rien, moi non plus, qui va être très sympa également, avec comme chorégraphe Jean-Luc Mirdin. Et la compagnie Artefact. Le samedi d'après, encore le 21 novembre, on a notre spectacle @ avec Léo Lérus qui est en ce moment en Israël, puisqu'il est basé là-bas, il est dans une compagnie en Israël. Et donc il a également joué dans un spectacle qui est passé l'année dernière à l'Archipel, un spectacle de Lena Blue, sauf qu'il était là virtuellement par la vidéo. Donc il aime bien tout ce qui est nouvelle technologie également. Donc, et il s'y engouffre. Voilà, et ça promet d'être très passionnant. On parlait de Liza Simone qui sera à l'Archipel. Oui, Liza Simone qui sera à l'Archipel en décembre pour la fin d'année. Donc commencez à réserver vos places parce que ça part très vite. Ça part très vite. Et j'ai oublié de parler aussi du dernier spectacle du Tendance, Valesca and You, d'une martiniquaise Annabelle Guéredra.
et qui est une performeuse, elle fait beaucoup de performances. Je pense que ça va détonner puisqu'elle est avec un batteur. C'est juste elle et un batteur sur une scène. Et ça ne va pas se passer, on ne va pas s'asseoir en fait dans la salle, on sera directement sur la scène avec la danseuse. Ah, c'est original. Voilà, c'est original et c'est pour ça que qu'il y aura moins de personnes, mm-hmm. parce que la jauge est de 80 personnes. Bien sûr, on imagine mettre tout ce monde sur la scène, c'est parfois difficile. Voilà. Merci Nicolas Issa pour ce programme que vous avez détaillé. Donc, on rappelle demain soir à l'Archipel dans le cadre du festival Tendance, la compagnie Bilacoro qui sera sur scène. Voilà, exactement. Merci à vous et à bientôt. N'hésitez pas à revenir nous donner des nouvelles des spectacles qui se tiennent à l'Archipel. Il n'y a pas de souci. Merci. Au revoir. On poursuit avec l'actualité. On termine même ce journal et cette édition en beauté, une page mode. La boutique Les Créateurs présente ce soir son défilé annuel. L'occasion de découvrir des créations de toute la Caraïbe. Une équipe de Canal 10 s'est glissée dans les coulisses de ce show à l'heure des derniers essayages. On regarde ces images. À partir de 20h, on aura un show mode de la boutique Les Créateurs. Donc 1h30 de spectacle. On va démarrer avec l'Afrique. Donc il y aura le son qui suivra également en fonction du pays, de l'île, pour aller en Guadeloupe, ensuite en Martinique, Trinidad, Sainte-Lucie, Barbade. Et terminer par l'invité d'honneur, qui sera un styliste qui crée les modèles pour les mannequins et surtout les Miss Univers et autres, qui est invité d'honneur, donc il fera le final pour les robes de haute couture. Aujourd'hui, on a des essayages pour le défilé, donc on a quelques accessoiristes de la Guadeloupe qui vont présenter leur collection. Donc on essaie d'harmoniser les formes, les tailles, les couleurs et les accessoires. Donc les chaussures, après, bon, ça reste neutre, peu importe, mais bon, c'est important aussi. Mais notre projet, c'est de mettre en avant le travail des stylistes, donc les vêtements et les accessoiristes également. Le reste des collections est à la portée de toutes les femmes antillaises, guadeloupéennes, peu importe, du 36 au 56. Donc surtout ne pas dire que c'est haute couture, que toutes les femmes qui se reconnaîtront, qui seront amenées à venir, qui pourront découvrir les collections portées par toutes les femmes actrices du système et de l'économie guadeloupéenne. Cynthia nous porte une tenue de Trinidad and Tobago. Donc vous avez une matière fluide, du voile de coton, donc sexy mais magnifique. Vous tournez, vous, Cynthia, avec un super donu et des accessoires de Tita Création originaire de la Martinique. Donc vous verrez que c'est une jupe très fluide, très agréable à porter, style pareo même, mais qui reste relativement une tenue aussi habillée pour un cocktail ou même pour une tenue aussi casse un peu pour une journée à la plage éventuellement, côté chic des choses également. Donc une collection Trinidad and Tobago. Voilà, le rendez-vous est donc donné ce soir au Royal Riviera. N'hésitez pas à passer, récupérer vos places à la boutique Les Créateurs à Grand Camp. Voilà, c'est la fin de ce journal, de ce ZCL et de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h30 pour le journal et de nouvelles informations. D'ici là, très bel après-midi.